Nous sommes avec Richard Westering, une rentrée victorieuse pour étonnant sous la selle avec la manière. Et Eric Raffin, après un départ assez lent, il a marché quand même 12 sur les pommes de Laval. Oui, avec une hésitation au départ, il fait ça bien comme un cheval qui déclassait, quoi. Voilà, c'était bien. Bon, là il retrouve dans la foulée un très bel engagement fermé à l'attelé. Est-ce qu'il peut faire aussi bien attelé? Oh oui, moi je pense que c'est plutôt un cheval attelé qui est monté, mais tout le monde me dit le contraire, mais moi je pense franchement qu'il peut faire ça attelé pareil. Comment il a récupéré de sa victoire? Ben écoute, il est passé moi, mais c'est ce que j'ai entendu. Déjà le lendemain, là, j'étais là-bas chez Franck, je le trouvais bien. Là-bas, ils disent qu'il était bien récupéré, donc là, ça va aller. Bon, a priori, j'ai envie de dire, dans cette catégorie-là, sans les 5 ans, il paraît un petit peu, pas déclassé, mais en tout cas, il détient une très bonne chance. Tu m'attends? Oui, je dis, il détient a priori une très bonne chance, là, en première ligne. Ah oui, je pense on peut essayer de visualiser des difficultés. Est-ce que l'autostart peut le déranger pour ça fait un petit moment qu'on ne l'y a pas vu? Non, je pense que ça va plus facile l'autostart que le volté, parce qu'à la vente, il va se précipiter un peu des fois. Et je pense à la voiture, il a déjà gagné à la voiture, donc non, je pense que c'est un avantage pour lui. Vous visez la victoire, Richard? Ah. Vous visez la victoire, Richard?